Bonjour, je suis Chantal Thomas, créatrice de mode et de lingerie et d'accessoires. La femme Chantal Thomas, bah, c'est une femme qui s'assume, qui se connaît, qui choisit des vêtements et des sous-vêtements par rapport à son style et qui en général aime la mode. Je pense que ça s'est fait facilement parce que la lingerie n'était pas un accessoire de mode. Et moi, je l'ai toujours considéré comme un accessoire de mode. Donc, je l'ai commencé à la présenter dans mes défilés de mode où on apercevait un soutien-gorge ouvert sous une veste. J'ai fait des bas et des collants il y a très très longtemps qui étaient en dentelle et j'étais la première à le faire et ça a été une espèce de révolution. Il y a eu une période où on était très, très soudés. Ce qu'on appelait les jeunes créateurs à l'époque, c'est-à-dire Thierry Mugler, Claude Montana, Kenzo. Et très souvent, on partait au bout du monde. On est parti ensemble au Japon, on est parti ensemble au Brésil. On faisait des défilés groupés. Et c'était extrêmement sympathique parce qu'en fait, on était tous différents. En fait, on avait tous un style différent. Et on s'entendait bien, on était tous très amis. Ça a été une période très gaie. Écoutez, j'ai quelques projets. Je travaille, par exemple, je fais des toiles tendues, en fait, c'est un peu ce qu'on voit sur les murs ici. Mais je dessine des papiers peints, qui sont des tissus peints, en fait, pour une maison qui s'appelle Barisol. De faire ce qu'on aime, peut-être au départ, ce sera plus difficile, mais rester soi-même, en fait, faire ce qu'on aime vraiment.